Allez, à tout le monde, c'est Azurécupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 106, les amis de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait terminé notre nouveau scénario dans lequel on avait fait l'éradication du gang des Igas. On avait tout récupéré en termes de noix Korogu et tout, donc c'est, écoutez, c'est même plus que nickel. Donc on avait débloqué, alors déjà, un nouveau scénario qu'on va aller jeter un tout petit coup d'œil, mais juste au niveau du nom, hein, évidemment, et de potentiellement à quoi ressemble l'image. Et on avait également débloqué des missions de combat, hein, qu'on ira faire à partir de l'épisode prochain, et des missions d'Hyrule, alors pas beaucoup cette fois-ci, mais on en avait quand même quelques... Enfin, on en avait un petit peu à faire, donc je pense qu'aujourd'hui, nous allons en faire un tout petit peu. On va scanner nos amiibo comme on fait à son habitude, hein. Je pense que c'est une habitude. Vous avez reçu une récompense amiibo, 10 citrouilles Armo. Donc écoutez, on continue avec la suite. Vous avez reçu une récompense amiibo, 5 truites Silencio, 5 sauterelles Enduro, 5 fleurs Silencio. On continue, hein. On cherche... Allez, hop. Sabre de la défiance, pourquoi pas. Ensuite, ça fait 4 avec Toad. Vous avez raison de récompenser mes beaux, 5 fruits d'oiseaux, 5 doras d'armo, 5 fleurs silencio. Et ainsi, la dernière qui permet d'obtenir. Bon, bah, vous avez raison de récompenser mes beaux, 5 fruits d'oiseaux, 5 sauterelles enduro, 5 fleurs silencio. Et du coup, bah, écoutez, on va continuer cette magnifique partie. Alors, on va continuer alors avec, du coup, les missions de combat, les missions d'Hyrule, hein, comme on fait à son habitude. Alors déjà, on va jeter un petit coup d'œil. Alors déjà, souvenez-vous, on avait fini ça, voilà. On avait récupéré tous les noix Korogu, hein, de la bataille, donc l'éradication des gangs des Igas. Et donc, du coup, on avait débloqué un autre scénario, mais cette fois-ci dans la forêt de Firon. C'est notre premier, en plus, dans la forêt de Firon. L'escorte jusqu'à la source. Alors ça a l'air d'être un truc très obscur et tout. Donc écoutez, on le fera quand on aura tout fini. Alors, il a l'air d'avoir très peu de choses en termes même de missions de combat. Alors, je sais pas si est-ce que il y a vraiment que ça ou pas, parce que là, ici, il n'y a plus rien. Donc, est-ce qu'il y a vraiment que ça, ou est-ce que un truc va pas engranger 50 trucs derrière? Je n'en sais rien, honnêtement, je n'en sais rien. Et ici, il y a une aussi, donc ça peut durer au moins jusqu'à la fin de la semaine, hein, logiquement. Et et puis on peut directement commencer dès le début de la semaine par un nouveau scénario normalement, à part si les missions de combat ben, nous en fait voir de enfin nous contredisent. Alors du coup, les amis, on va du coup commencer par nos missions d'Hyrule. Alors sachant que on a des missions d'Hyrule avec les alors qu'on peut faire maintenant et qu'on ne peut pas faire maintenant, donc on fera quand même un petit épisode farm, un tout petit, hein, ça durera pas longtemps, pour pouvoir avoir ce qu'il nous faut. Donc déjà avec Link, on peut d'ores et déjà faire la nuisible au centre d'entraînement, enfin nuisible au centre d'entraînement. Le centre d'entraînement est envahi par les chauves-souris. Il faudra un repoussoir efficace pour les chasser, trouver les matériaux nécessaires pour les fabriquer et apporter-les au centre. Alors du coup, nous avons besoin de 5 œils de chauves-souris sur 25, 5 ailes griffues sur 8, 5 ailes de glace sur 13, 5 ailes de feu sur 11, 5 ailes électriques sur 16. On va évidemment livrer les matériaux requis, hein, comme d'habitude. L'épouvantail destiné à faire fuir les chauves-souris est terminé. Placé à l'entrée, il est particulièrement efficace, l'entraînement peut enfin reprendre son cours. Donc récompense, un nouveau combo pour la lance, pour Link, les amis. Et du coup, ça nous fait encore de Link un petit peu plus cheaté. Voilà. Donc, bon, nous n'avons plus rien à faire avec Link, avec Impa non plus, avec Zelda non plus. Mipha, ok, Mipha, elle peut faire quelques petits trucs à l'honneur du prodige. Pour célébrer l'intronisation de Mipha comme prodige, une cérémonie va avoir lieu au domaine Zora. Pour que la fête brille de mille feux, vous avez décidé d'offrir des gemmes Nox au domaine. Alors, cela requiert du coup 3 gemmes Nox sur 22 et 150 certificats de Les Alphos sur 2556. On va évidemment livrer les matériaux requis. Voilà, dans la lumière des gemmes Nox, Mipha était encore plus belle que d'habitude. Après la fête, elle a même ramené une chez elle pour décorer sa chambre. Et nous avons du coup gagné un réceptacle de cœur avec Mipha, les amis. Voilà, donc le petit réceptacle de cœur, écoutez, tant mieux, hein, on l'a cheat, entre guillemets. Alors avec Daruk, ah, il peut faire quelque chose, massage à la façon Goron. Alors,
Parce que c'est rien, c'est le gien. Les Gourons veulent ouvrir une cabane de massage pour soulager les mineurs de la montagne de la mort. Aidez-les à réunir les fonds nécessaires pour qu'ils puissent dire adieu au mal de dos. Alors cela requiert 5 opales brutes sur 12, 50 crocs de Moblins sur 285, c'est pas donné, 15 certificats de Teal Rock sur 41, ça aussi c'est pas donné, et 2000 rubis sur 16903, on en a déjà beaucoup des rubis, donc c'est bien. Enfin, entre guillemets beaucoup. La cabane de massage est terminée, le premier à pouvoir l'essayer est le champion des Gourons, Darouk. Une fois ses muscles bien délaissés, il sera certainement au sommet de sa forme et nous gagnons du coup deux réceptacles de cœur avec Darouk, les amis. Donc ça fait deux petits réceptacles de cœur, mine de rien, très facile, parfait. Alors, on peut faire un truc avec Revali? Non. Avec Urbosa? Non plus. Noya? Oui. On peut faire le fameux exercice d'entraînement au vol. Un Korogu portant une grande feuille se lamente d'être le seul de ne pas savoir voler correctement. Pour apprendre à voler, rien de mieux qu'un courant en descendant, créez-en un avec du feu. Du coup, cela requiert 30 fagots de bois sur 514 pour allumer le feu, enfin pour que ça brase, 5 silex sur 56 pour allumer le feu, 3 gelés chouchous rouges sur 14 pour alimenter le feu bien comme il faut, et 50 certificats de chauve-souris sur 268. Alors ça, pourquoi des chauves-souris? Ma foi, peut-être pour ça avoir volé, donc du coup ça y crée des ailes avec des chauves-souris, des certificats, ma foi, mais bon, on va livrer les matériaux requis. Vous avez créé un courant incendant en allumant le feu. En allumant le feu, le Korogu s'en est servi et a réussi à voler. Les leçons de vol qu'il a prévu de prendre avec Noya devraient donner de bons résultats. Je vais devoir me moucher, les amis, et je reviens. À mon avis, récompense d'un nouveau combo pour Noya. Écoutez, pourquoi pas? Déjà, on le surtit. Voilà. J'aimerais bien une attaque forte par contre. Parce qu'on en a pas beaucoup. Enfin, si, on en a beaucoup, mais on en a pas de fou. Voilà. Avec Noya, c'est fait. La grande fée. Oh, on peut faire. Alors, ça, c'est pas pour maintenant. Hein. Ça, il fallait s'en douter. Et ça, c'est pas pour maintenant. Ok. Guide de Miskyoza. C'est ça? Miskyoza. On va dire Miskyoza. Voilà. Épreuve antique. Les monstres. Une voix perce. Oh, en plus, on va gagner une barre de réputation, les amis, dans la contrée Gerudo. Une voix perce soudaine le silence et des mots de lumière dansent devant vos yeux. Seuls ceux qui triomphent de l'épreuve des monstres peuvent prétendre à d'autres pouvoirs. Matériaux nécessaires. Cela requiert 5. Cela requiert 5 pierres célestes sur 48. 350 certificats de Bokoblin sur 4941. 100 certificats de Les Alphos sur 2406. 3 certificats de sorcier sur 50. Et 20 certificats de Moblin sur 123. On va livrer les matériaux requis. Bon, par contre, beaucoup, hein, ils nous demandent beaucoup. Vous offrez les matériaux au mot de la lumière et la voix résonne à nouveau. Vous avez triomphé de l'épreuve de monstre. Ainsi, une partie de notre pouvoir vous revient. Mais attendez, Mizu, machin chose, c'est pas Kyoza là, c'est pas. Vous voyez le gars qui est dans le sanctuaire, je crois. Le genre de marabout, je sais pas. Épreuve et récompense, la preuve de guide de Mizuoka débloqué 1 sur 3. Ok, et nous avons du coup gagné une part de réputation sur les 4. Les habitants des contrées Gerudo vous ont fait un cadeau en signe de gratitude. Cela nous a donné, du coup, 20 noix Korogu, bien sûr, 20 noix de coco, 20 melons glagla, 20 fruits volt et 20 cristals de sel. Ok. Les pierres. Épreuve antique, les pierres. Une voix perce soudaine le silence et des mots de lumière dansent devant vos yeux. Seuls ceux qui triomphent de l'épreuve des pierres peuvent prétendre à notre pouvoir. Cela requiert 7 pierres célestes sur 43, heureusement qu'on les fait les missions de combat justement. 10 ambres brutes sur 15, 5 topazes brutes sur 19, 5 rubis brutes sur 15, et 2 diamants bruts sur 12, putain c'est abusé. En plus on va bientôt plus avoir d'ambres brutes, on va livrer les matériaux requis, hein, mais ok. Vous offrez les matériaux au mot de la lumière et la voix résonne à nouveau. Vous avez triomphé de l'épreuve des pierres, ainsi une partie de notre pouvoir vous revient. On a du coup en récompense l'épreuve de guide de Miskyoza débloquée 2 sur 3. C'est Miskyoza ou Kyoza? Est-ce que c'est Kyoza? Est-ce que le Y se prononce I dans cette situation? Ou c'est Kyoza? Je sais pas. Miskyoza. Kyoza. On va dire Miskyoza. 2 sur 3.
Et ensuite, les épreuves antiques, les puissants. Ah, on n'a pas, hein, c'est toujours des Linel. Donc, on va le mettre. Et puis voilà. Donc, ici, leçon de cuisine des monstres. Les Bokoblins maîtrisent l'art de la rôtisserie à la perfection. Observez-les attentivement pour apprendre à mieux cuisiner les grosses pièces de viande. Mais il vaut mieux rester discret. Cela requiert du coup 10 escargots Silencio sur 68, 10 truites Silencio sur 257, 10 champis Silencio sur 49 et 10 fleurs Silencio sur 197 et 200 certificats de Bokoblin sur 4591. Heureusement qu'on les... Enfin, on scanne nos amis beaux, du coup, justement, on va livrer les matériaux requis. Vous avez appris à cuisiner comme les Bokoblins. Il semblerait que la préparation de la viande et à la maîtrise délicate de la température soit cruciale. Continuez sur cette voie. Récompense, un placement pour les plats, plus 1. Comment ça, plus 1 ? Comment ça, plus 1 ? Qu'est-ce que... Ah, on peut mettre deux plats par truc ? Par, je veux dire, on peut mettre deux plats quand on part sur un champ de bataille ? Énorme ! Ah oui, pourquoi pas ? Ça, je veux. Module Sheikah. Rien... Ici rien, ici rien. On peut faire la petite recette. Remède pour le mal du pays. Une jeune fille originaire du village de Cocorigo a le mal du pays. Préparez-lui un plat chaud qui lui rappellera son village natal. Alors du coup, cela requiert 5 carottes tempo sur 25, 5 boissons de blé sur 32, 5 bouteilles de lait frais sur 19, 5 mottes de beurre sur 73. On va livrer les matériaux requis. Vous avez réussi à trouver la recette de ragoût de carottes, préparée à partir de fameuses carottes tempo du village de Cocorico. Cela remonte à coup sur le moral de la jeune fille. Récompense, recette du ragoût de carottes. Donc, ragoût de carottes est fait des plats remplissage partiel de la jauge de coup fatal par KO. Ok. Donc, recette, 4 carottes tempo, 4 boissons de blé, 4 laits et 4 mottes de beurre. Un seul bol de ce potage à la douceur caractéristique contient de nombreuses carottes. Tant mieux. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre ou... Non, et ça c'est le niveau de contribution. Bon, ben du coup, les amis, il ne manque que 3 missions avec les détecteurs. Alors, c'est toujours le souci des Linel. Hein. On va répéter. Là, on a le temps. Hein. On est à peine à 12 minutes. Ça permettra de au moins de monter jusqu'à 30 minutes. Donc, on va répéter les mêmes batailles. Alors là, non, il y a trop de monstres. Ça a duré trop longtemps. Il n'y a pas un truc qui dure... Oh, c'est chiant. Il n'y a pas un truc qui dure pas longtemps, là. Bon, en fait, je dis ça, mais en fait, ça me fera des certificats, donc... je vais juste prendre Link. Et c'est tout. Par contre, qu'on puisse mettre deux plats, c'est pas négligeable. Mais bon, on va prendre Link, et là, du coup, on va farmer les Linel et tout. Hein. Ça va être du farm. Donc, vu qu'il y en a 3, il en faut... Enfin, 3 et l'autre 2, donc ça fait 5 Linel, il nous faut. Donc, on va farmer d'abord les 5 Linel, hein, évidemment. Donc on va répéter certes 5 fois la même bataille, mais dites-vous qu'on est à 13 minutes, donc on va déjà voir un petit peu à 30 minutes de la vidéo où on en sera. Ça dépend de là où on en est à 30 minutes de la vidéo. Voilà, je vous le dis. Si on en a fait 3 ou 4, 3, on s'arrête là. Et on fait le truc et on s'arrête là. Par contre, 4, on fait le dernier et puis on fait... Et les deux dernières missions de combat. L'émission de d'Hyrule. Alors. C'est parti. Éliminer l'inox et ses alliés. Hop. Bah oui. Je suis désolé mon gars, mais. Hop, hop. Merci. Ça nous en fait un. Là, c'est vraiment. Il faut juste farmer. Hein. Donc là, les amis, on s'en bat les couilles des Bokoblins et tout. Là, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les Moblins et tout ça. Merci. Non. Non. Merci. Ok, bon bah, t'as été con, t'as attaqué ton pote pour rien. Alors ? Oh bah, ok. C'est bien. Tu me facilites la tâche. Hop. C'est bon. À mon avis, là, il va mourir. Sachant qu'on lui fait énormément mal. C'est un truc de base réservé au niveau 25, donc c'est normal. Ok. Aïe. C'est pas gentil, ça. Parfait. Et le coup point faible. Après, il y a le Litorok. Et après, il y aura le Linox.
Je mets tout sur le linel, c'est pour ça que je garde mes jauges de coups fatal. Ah, c'est pas gentil. Ok. Hop. Hop, boum. Ok. Hop. Voilà, coup point faible. C'est bon, on l'a. Allez, go. Maintenant, il faut battre le Litorok. Et en plus, ça le level up, ça permet de gagner quelques rubis, quelques petits certificats de Bokoblin qui commencent à vite partir, mine de rien. Mine de rien, ça commence à vite partir, donc ça permet de récupérer quelques petits certificats. Voilà, aussi de les alphas, aussi, pourquoi pas, après tout. Alors là, il y a, j'imagine, deux Moblins. Hein. Ok. Là, il y a deux Moblins, c'est bien ce que je pensais. On se calme. Hop. Donc là-bas, il y a le Litorok, mais bon, il est trop loin. Tac. Voilà, coup point faible. Désolé, mon bot, mais c'est fini. Eh, c'est pas gentil, ça. Et le coup point faible. Bon, bah, tant mieux. C'est bien, c'est en même temps, ça permet de faire des certificats de boss géant. Je suis désolé, mon gars, mais il faut se calmer. Hop. Dommage. T'as de la chance, mon gars. Je te l'ai dit que t'avais de la chance. Hop. Ok. Montez. Parfait. Et maintenant, il suffit juste de l'achever. Hein. Ok. Tac. Et le coup point faible. Parfait. Bon, bah, en fait, on l'a presque instant kill en même temps. En faisant ça. Bon, là, il va mourir, en fait. Ok. Et voilà. Il manque plus que le linel. Donc, c'est parti. Il manque plus que le linel. Donc, on va tous les réunir. Hein. On va faire comme d'habitude. Hein. On va faire comme d'habitude. Voilà, on les aggro tous. Et on va aggro le linel. Comme ça, on bat en premier le linel. Et après, tout le reste... toutes les petites merdes à côté. Et c'est parti. Oh bah écoutez les amis, quand la chance me sourit, pourquoi pas, hein. Tac. Non. Oh, c'est pas gentil, ça. Et oh là, on va vite le calmer, sachant qu'il y a plein de monde derrière. Voilà. Coup point faible. Voilà, bon, en fait, prochaine fois, il est mort. Ah. Ok, bah oui. Il était un petit peu débile, non? Ah bah là, mon gars, je pense que t'es mort. Hein. Ok. Il manque plus que le linel. Ok. Hop. Aïe. Parfait, bon bah là il est mort. Parfait. Nous l'avons eu. Et on a vaincu le linel et je crois qu'on a gagné un niveau, mais j'en suis pas sûr. Ennemi à marche. On était 41 je crois donc. Bah alors oui, on a bien gagné un niveau 42. Bon bah il suffit juste de répéter la bataille plusieurs fois. Hein, jusqu'à en avoir 5. Donc certes ça va être long, mais écoutez. Hein, c'est comme ça. Ça me fait un petit certificat de linel. Et c'est reparti. Je sais pas s'il y a une bataille où il y en avait plus. Est-ce qu'il y a une bataille où il y en avait deux ou trois? Je suis pas sûr. Hein. Ça serait bien. J'aimerais bien dans le futur. Est-ce que dans le futur d'en avoir au moins deux ou trois dans la bataille, quoi. Ça me permettrait tellement de me faire gagner du temps. Parce qu'à la fin, je pense qu'ils vont m'en demander 10 ou une connerie comme ça. J'ai ou même 50. J'ai très peur. Hein, tu sais, justement, de 50. Alors j'espère pas. Mais j'ai très peur quand même. Et du coup, bah, here we go again. Oui, parce que là, on va répéter autant de fois qu'on puisse. Donc là, ça fait 1 sur 5. On l'a fait en presque 8 minutes. Ah, 7 minutes, on va dire. 7 minutes. Donc, il est possible d'en faire un deuxième, un troisième après 30 minutes.
Un quatrième? Ah, ça a duré longtemps quand même, finalement. J'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps. Je verrai. Je verrai. Par contre, les amis, je suis désolé, je vais quand même allumer mon ventilo parce que on entre vraiment dans les périodes chaudes et je suis en train de mourir de chaud. C'est violent. Je suis en train de mourir de chaud. Donc, si j'active pas mon ventilo, je sens que je vais pas finir la vidéo. C'est parti. Et allez, on continue, hein, on commence. On sait ce qu'il faut faire en premier. Bon, bah là, t'as été con, mon gars. Hop. Ok, 2, 3, 4. Voilà. Putain, c'est génial ce 4 combos plus l'autre. Ok. Hop. Je sens qu'après il y a l'inox à affronter. Hop. Ah, c'est pas gentil ça. Non. Ok. C'est bon, là il est mort. Putain, presque il est. Ça là? Ok, bon, ben là il est mort. Là même le. Il va prendre cher en même temps l'inox à côté. Ou presque cher. Hop. Voilà. Non. Non, c'est pas gentil. Non. Tenez, je n'ai jamais tenté de faire un truc ce que je vais faire là. Voilà. Comme ça, on congèle le lac. J'ai jamais tenté, on va tenter, on va voir un petit peu ce que ça fait. Ouais, bon, en fait, c'est pas foufou, hein, mais. Ok. Non. Eh, c'est pas gentil ça. Non. On va se calmer. Et voilà. La moitié du temps est partie à écouler, mais on va l'avoir bientôt, donc. Ok. Parfait, c'est bon, là. T'es mort, mon gars. C'est décidé. Et voilà, nous l'avons eu. Le petit inox. Maintenant, on fonce en direction de l'Itoroc. Oh, putain. Oh putain, mais what the fuck? D'où? Oh, par contre, des battes et tout, ça sert vraiment à rien de les avoir. Aïe aïe aïe. Décidément, quand ce jeu veut pas, il veut pas. Allez, le Litorok! Cette musique épique. Ah, c'est pas gentil ça. On te l'a dit que c'était pas gentil. Hop. Ok. Tombe, putain, mais tombe. Aïe, 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 c'est pas possible. Ok. Désolé, mais là, on va vite devoir le calmer, je vous le dis. Aïe, c'est pas gentil. Ok, et évidemment, il a pile au moment où j'ai besoin de bombe. Hein. Décidément, quand le jeu m'encule jusqu'au bout. Boum, boum, boum. Et boum, voilà, déjà le coup de poing faible, pourquoi pas, hein. Alors, c'est toi. Voilà, boum. Ok, c'est bon. Mon avis, là, on va pouvoir bien l'achever. Le Litorok, là, il est cuit. Hein. Voilà. Voilà, c'est bon, il est mort. Et maintenant, le Moblin. Hop, non. C'est bon, il est mort. Le petit Moblin. Il manque plus que le Linel et les trois confrères et ça sera bon. Donc ça fera 2 Linel sur 5. 2 Linel sur 5. Et bah dis-donc, on va aller loin avec ça. Aïe aïe aïe, je vous jure. Allez, on les aggro. Le Moblin bleu. Le Moblin de feu. Et voilà, et le Linel qui est évidemment là, alors s'il te plaît, merci la RNG, je t'adore tellement. Tac, tac. Ok. Tac. Hop. Non. Pff, mon gars.
T'es fou? Bah oui, coup point faible. Oh, ils ont 12 derrière. Ok. Ils ont 12 derrière, mais j'aimerais bien me mettre dans une bonne situation. Voilà, je pense que là, on peut pas faire meilleure situation que ça. Voilà. Oh, presque, j'aurais pu avoir l'autre, là. Ok. Je suis désolé. Tout le monde va souffrir, hein. Hop. Ok, le Linel, il est mort. Nous l'avons eu. Et le petit Moblin à côté. Aïe. Bah oui mon gars, à 60 ans, t'es un peu cuit toi. Hop. Merci. Bon bah ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc deuxième Linel sur les 5. Allez, on va tenter de le refaire une autre fois. Niveau 43. Link ne peut pas transporter plus d'armes. Choisissez ce que vous souhaitez vendre. Vendre. Ouh, ça non. Alors. Ah, il y a tout qui est bien. Mais bon, on va jeter tout ce qu'il n'y a pas de trucs à la con là. Ok. Ok. Ça, on peut le combiner. On peut le combiner. De châtelier. Bon, vous savez quoi? Bon, il faut faire des sacrifices. C'est parti. Ok. Bon, ben, c'est reparti. Hein. C'est reparti. Je pense qu'on va devoir le refaire une autre fois. Je pense que finalement, on va faire quand même un rapide là. Je crois qu'il y en a un vraiment vers Evali, mais je sais plus où exactement. Je sais plus si c'est avec des tirocs de glace ou pas, je m'en souviens plus. Voilà, on en a déjà accompli un, mais je crois que c'est ici. J'espère que lui va être un petit peu plus rapide. Si je peux faire les 3 en moins de 5 minutes, ça serait bien. Moins 5-10 minutes, quoi. Je sais qu'il y a un petit parcours avant, il faut affronter les tirocs, après il faut prendre un avant-poste, je crois. Affronter plusieurs moblines. De bleu là ou de glace, je sais même plus. Après il faut monter avec un courant assez dense, c'est ça. Ouais, ça demande beaucoup de ça demande beaucoup de trucs, c'est chiant. Voilà, il faut le dire, c'est très très chiant. Et c'est parti. Ouais, c'est... il faut prendre même 2 avant-postes. C'est parti. En speedrun. Non, oh. Oh, par contre, vous, je dis pas non. Hein. Allez, mobiline de classe. Avec plusieurs petits les alphas. Ok. Non. Eh, non. Voilà, coup point faible. Ça, c'est fait. Ok. Alors, non. Ah, les petits kill rock hein, qu'on aime tant. Ou pas, mais qu'on aime en tout cas. Il n'y avait pas d'autres kill rock ici? Non, pas du tout. Ah, s'il y en a à gauche là, on le voit. Non, mais c'est pas gentil ça. Ah oui, du coup, j'ai plus rien. Et go, c'est parti. Ah yes, il y a un sorcier de glace aussi. Non, c'est pas gentil ça. Il y a un sorcier de glace aussi derrière. Bon, c'est bien, ça fait des certificats en même temps, mais... Ok, aïe aïe aïe, mais c'est chiant ça. Ok, le coup point faible. Instant kill. Enfin, presque. Non. Hop. Ok. Bon ben mon gars, je pense que t'es mort. Là, je suis désolé pour toi. T'es dead. Bon. J'espère que ça va pas déranger dans le micro par contre. Ça va pas faire un gros soufflement et tout. Ça va être chiant sinon. Je verrai si ça le fait ou pas. Et le sorcier de glace. Et c'est parti.
Là, on va pouvoir affronter le lignel. Je crois qu'il y a deux moblins de glace hein, avec le lignel. Si mes souvenirs sont bons. Là, il va y avoir le lignel avec des moblins de glace. Si mes souvenirs sont... Non, même pas, il n'y a pas des moblins de glace. J'aurais cru. Honnêtement, j'aurais cru. Non. Oh, bah oui. Là, mon gars, t'as été couillon, quoi. Oh, ça fait mal, ça. C'est bon, c'est ce que je voulais faire. Sincèrement, je réserve mon agence de coup fatal pour l'ultime shoot. Voilà. Eh oui, mon gars. Yep. Ok. Ok. Oh, c'est pas gentil, ça. Non. Ah, ta mère, la chienne. Il a pas voulu sauter. Mais t'es sérieux, là? Tac, Link, en l'air. Merci. Faut l'attaque pas en l'air, ce connard, mais bon. Nous l'avons eu, hein. Alors, ça fait 3 sur 5. Bon, si, en fait, on peut le répéter autant qu'on peut, en fait. Hop, hop, et parfait. Allez, go. On va le faire... Bon, 3 sur 5, il nous en manque plus que 2. Il nous en manque plus que 2. Alors, allez, c'est reparti. Il nous en manque plus que 2 à avoir. Je sais que c'est chiant, mais j'espère qu'on obtiendra des certificats de Linel pendant les batailles de combat. Parce que c'est chiant là pour le moment de faire ça. Heureusement que c'est que 5. Hein. C'est pas 10 ou 50. Hein, parce que j'aurais dit 10 et 50, on n'aurait pas fait ça. On aurait vraiment laissé. Largement de côté pour un gros épisode, enfin un épisode farm quoi. Genre 30 minutes quoi, les épisodes 30 minutes de farm. Comme on fait pour Hyrule Warriors Definitive Edition au niveau des cartes, enfin des cartes d'objets quoi, d'aller sur les cartes aventure. D'ailleurs, mine de rien, dans Hyrule Warriors Definitive Edition, on va en chier. Hein. Enfin, dans le sens, les épisodes farm pour les fées, les aliments de fées et tout ça, ça va être long. Hein. On va pas en chier, mais ça va être plutôt long. Parce que c'est beaucoup de l'aléatoire. Donc, hop. Ok. Hey. Ok. Mon gars, je suis désolé. Coup point faible. Un passe de prix. Non. Hey, ça se fait pas, ça. C'est trop long. Bon, c'est bien, ça fait des certificats en même temps, mais... Comme ça, des certificats de Tilo Rock, moi je dis pas non, sachant qu'on en... Il nous en demande beaucoup en ce moment, donc... Vous voyez, des choses comme ça, je dis pas non. Par contre, il n'y a pas de jeu, je les joue, enfin, je crois qu'ils sont tout en bas, mais c'est chiant de faire tout le tour, donc... Ok. Ok. Alors, il me crache pas dessous. Vilain. Ok. Non. Je suis désolé. Voilà, juste pour coucher l'autre, pour le coup point faible, parce que sinon ça va pas le faire. Ah. Bon bah mon gars, bah oui. Tiens, en plus, on dirait que je fais du tasse quoi. Tous les éléments concordent avec ce que je fais. C'est génial. Honnêtement, là j'ai eu un truc du tasse d'un coup, j'ai pas compris. Ok. Hop. Ok, bon bah mon gars. Bah oui. Bah oui, c'est logique. Et il manque plus que le Linel. Let's go! Le petit Linel. Après, on le refera une dernière fois et je pense que ça suffira. Hop. Non. Eh, c'est pas gentil. Eh. Mais bordel, esquive. Par contre, si je sais pas donner un coup de. S'il te plaît. Oh, bon bah si tu veux. Parfait. Mon gars. Voilà, déjà, ça c'est fait. Maintenant, on a notre jauge de coup fatal de rempli. Et c'est parti. Alors, on l'avait déjà rempli, mais ça sortait le premier shoot. Ça, vous voyez. Là, il prend bien cher. Et... You die.
Plovac. Bon, bah, il nous manque de le faire une dernière fois, et ça sera bon. Ah, niveau 44 en plus. Ah oui, ça serait bien. Voilà, parfait. Quand le jeu t'écoute. Ah, oh bon, c'est de la merde, honnêtement, mais jusqu'à 11 là, 13, 16 on garde parce que ça peut être bien. Le fusionner avec l'autre louche, mais voilà, ça c'est de la merde, c'est de la merde. J'en peux plus. Voilà. Ok. Et du coup, ben, on va le refaire une dernière fois et je pense que ça sera bon. Comme ça, on fait les deux missions de combat qui nous, les deux missions d'Hyrule qui nous restent parce que je crois que je l'ai obtenu dans le fragment d'étoile. Je l'ai obtenu durant une récompense initiale dans les missions de combat. Donc du coup, ou peut-être, je sais plus où je l'ai obtenu, mais il me semble que je crois que je l'ai obtenu là-dedans. Ah non, c'est pas en faisant une barre de réputation, je sais même plus. J'ai juré, je sais plus. Partir en combat, je sais vraiment plus, honnêtement. Parce que le problème, c'est qu'il faudrait, quoi. Il faudrait commencer à y penser et y remédier, quoi, à ce petit souci. Parce que les fragments étoiles... À part un matériau exclusif, mais pour le moment, dans une bataille, mais on n'a rien, quoi. Et quand on clique dessus, alors j'ai peut-être dû l'obtenir avec un Amiibo aussi. C'est peut-être possible. C'est peut-être un truc d'un Amiibo, que je m'en souviens plus. Et donc du coup, ça expliquerait le tout. Et peut-être c'est vraiment un truc qu'on débloquera beaucoup plus tard dans le jeu, quoi. Au moins pour la première fois, quoi. Genre vraiment les derniers scénarios, quoi, du chapitre 7 ou 8, je crois. Peut-être. Non, c'est pas gentil, ça. Vous êtes chiant. Dégage. Voilà. Et c'est parti. Mobline de glace. Tac. Boum, 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 boum. Oh, bah. Ok. Ok. Boum. Ah, mon gars, t'es mort. Et voilà. Et maintenant. Bon, bah là, du coup, on profite, hein. Là, c'est la dernière fois qu'on le fait, donc on déglingue tout le monde. On va aller tenter de trouver ces fameux chouchous, parce que là, ça me fait chier. Parce qu'on a le temps, en 4 minutes, on a large le temps. C'est vraiment juste trouver les chouchous, quoi. Ils sont où les chouchous? C'est pas ici, c'est pas ici. Ils sont où les chouchous? Je sais pas du tout. Ici, peut-être, non? Même pas. Alors, peut-être en haut. Ils sont pas ici, les chouchous? Les chouchous blancs. Ah non, ben ils ont pas l'air d'être ici, quoi. Non, pas ici. Non. Non, ils pop pas, donc à mon avis, ils sont pas ici. Mais enfin, je sais pas où ils sont. Honnêtement, les chouchous, je sais pas où ils sont. Parce que c'est bien ce qui a marqué, alors c'est peut-être pas moi qui hallucine. Je sais pas. C'est peut-être moi qui hallucine aussi, mais. Mais je vois pas de chouchou. Donc bref, écoutez, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très très grave non plus, mais bon. Ça aurait été bien. Et c'est parti. Non. Hop. Ok, et c'est parti. Hop. Ok. Aïe, c'est pas gentil ça. Non. Bah oui, c'est clairement pas gentil. Ok. Déjà, toi c'est fait. Désolé, mais tu... Oh, mais what the fuck, tu m'attaques en pleine cinématique, t'es sérieux? On l'a dit que t'étais irrespectueux. Bon, j'ai pas envie de me casser le cul avec ton attaque à la con. C'est relou ton attaque à la con, ça dure trop longtemps. Oula, vas-y. Voilà, on se concentre un petit peu. Et nous l'avons eu. Maintenant, il manque plus que le petit sorcier à la con. Ok, je suis désolé mon gars, mais... Et le coup point faible. Voilà. Maintenant on va finir un petit peu le travail. Hein. Voilà, 1000. Oh, vous allez geler sur place parce que ça veut dire qu'on est à la moitié du temps. Mais bon, ça va, on y est maintenant, Linel. On y est, Linel.
C'est parti. Hop, hop, hop. Aïe, c'est pas gentil, ça. Hé hey. Hop. Et non. Parfait. Bon, bah, déjà, ça c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir le défoncer avec le jauge de coup fatal. Totalement rempli, hein. Et c'est parti. Voilà. Et nous l'avons eu. C'est bon. Bon, ben, on a eu les 5 linelles que nous voulons. Enfin, ce qu'on voulait plutôt. Putain, j'ai attrapé une. J'ai ma rhinite abusée. La petite rhinite. Alors. Oh. Une aile de barde rouillée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ben, normalement, nous avons nos deux petits matériaux. Donc, enfin, nos deux petites missions de d'Hyrule accomplies. Donc, on va pouvoir directement y aller. Hop, comme ça, ça empire à la barre. Et du coup, ben, la prochaine fois, on se concentrera sur les missions de combat. Hein. Là, il n'y a pas trop le choix. Hein. Alors, maintenant. Maintenant. Alors, ça on peut pas, mais ça on peut. Alors, nouvelle recrue chez les fées. Il semblerait que les grandes fées songent à accueillir de nouveaux fées dans leur fontaine. Si vous croisez une fée quelque part, vous savez où la conduire. Alors, du coup, cela requiert 5 fées sur 24, 2 certificats de linel sur 5, 2 certificats d'inox sur 5. Putain, par contre, on n'en a pas du tout. Bah, beaucoup d'inox. Et 1 certificat de litoroc sur 14. Donc, on va livrer le matériau requis. Grâce au nombre de fées accrues autour d'elle, les fontaines ont l'air encore plus enchanteurs. Voir ces fées voler dans un endroit paisible apaise naturellement leur cœur. Récompense, grande, une jauge de coup fatal en plus pour la grande fée, les amis. Donc nous sommes à 3 jauges de coup fatal. Donc écoutez, pour la grande fée. C'est parfait. Et maintenant, celle-là. Alors, épreuve antique, les puissants. Une voix perce soudain le silence et des mots de lumière dansent devant vos yeux. Seuls ceux qui triomphent de l'épreuve des puissants, peuvent prétendre à notre pouvoir. Alors du coup, cela requiert 10 pierres célestes sur 36, mine de rien, 1 certificat d'élite rock sur 13, 3 certificats d'inox sur 3, donc on n'a plus rien en inox aussi, hein, et 3 certificats de linel sur 3. Attendez, mais du coup, on n'avait pas, même au niveau de l'inox. Donc, on a fait 2 inox derrière. Donc, on n'en aurait vraiment pas eu assez. Donc, heureusement que j'ai été devin et qu'on a fait les trucs d'inox. Hein. Enfin, que j'ai été devin. Bon, par contre, on n'a plus rien en inox et en linel. Vous offrez les matériaux au mot de la lumière et la voix résonne à nouveau. Vous avez triomphé de l'épreuve de puissant. Des puissants. Ainsi, une partie de notre pouvoir vous revient. Et récompense, épreuve du guide de Miss Kyoza, débloqué 3 sur 3. Ok. Et du coup, ça nous fait une petite mission de combat en plus. Donc du coup, bah ok, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Ouh, 2 fragments d'étoiles. Oh, on en aura 3. Ah oui, mais les amis, en fait, c'est trop bien. Parce que dites-vous qu'on va en avoir 3 comme ça. Parce qu'il nous en faut, hein, de toute façon, il nous en faut. Du coup, il nous en manquera plus que 2. Oh! Donc, mine de rien, on va peut-être pouvoir la faire bientôt, parce que, à mon avis, il nous manque plus grand-chose, non? Bon, en termes de... On peut toujours le faire, hein, on est bien d'accord. Hein. On peut toujours le faire, quoi. Mais voilà, c'est toujours 5, on en a 1, quoi. À part si, par un hasard, j'arrive à gagner avec sur les Amiibo, mais... Ou même 2, du coup, sur un Amiibo, mais... Mais attendez, mais en fait, c'est ici, d'après ce qu'ils me disent, là, que j'en ai obtenu un. Parce que j'ai que ça, un détecteur. Hein. Donc ça veut dire qu'il y en a un ici. Sur ma vie, sérieusement, il n'y en a qu'un ici. Il y en a un ici aussi. Mais pourtant, on l'a pas vu. On l'a pas obtenu. Pourquoi il me scanne ici C'est pas possible. J'en ai pas ici. Non. Exclusive à ce champ de bataille. Non, c'est pas possible. Ah, attendez, j'ai quoi dans mes fonctions de détection, s'il vous plaît? Non, c'est pas ici. Matériaux. Ah, parce que j'ai toujours ça. On l'a enlevé. Et vous savez quoi? Je vais même faire mieux.
je vais mettre le fragment de... Putain, je vais pas y arriver. Non! Non! Oh, merci. On va mettre carrément nos, nos fragments étoiles. Ils sont où? Ils sont où? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je vous dois? Ma foi. Alors, nos fragments étoiles, ils sont où? Ils sont là. On va mettre ça. Est-ce que par hasard, il y en aurait une ou pas? On va par ici, pas par là. Donc là, évidemment, en bas à gauche, c'est normal parce qu'elle me semble m'en donne directement. Non, non, en fait, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien du tout. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Donc, voilà, on sait quoi faire pour l'épisode d'après, tout simplement. Le guild des forgerons avec Link, à mon avis, on va avoir des choses. Hein. Oh, que oui, on va avoir des choses. Bon, ça, c'est juste pour le kiff. Hein. Ça, c'est vraiment juste pour le kiff. Voilà. Hop, voilà. Et du coup, l'albarde, non, mais... Ok. Non, 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 non. Non, non. Putain, mais ça vaut 1000 rubis. C'est ça qui m'hallucine. Mais bon, on n'a pas le choix. Il faut. Il faut. Il faut quoi? Alors, s'ils les battent, ça, ça, et ça. Niveau 8, comme ça, ça me fait 53. Et voilà. Et je crois que c'est tout. L'elbarde, mon elbarde, tiens. Voilà, ça, ça, je préfère. Ah, niveau 47, quoi. Donc, 47, quoi. Niveau 5. Et ça niveau... Ouais, en fait, c'est tellement cheaté, en fait. Ouais, c'est tellement cheaté, en fait. C'est tellement ça qu'il faut, quoi. Allez, go. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Et ça, c'est l'espadon. L'espadon, l'espadon. Et le sabre de la défiance. Problème, c'est que le sabre de la défiance... Non, Minou. Tu fais pas ça. Bon, écoutez, on aura un petit peu trié. L'épisode prochain, les amis, nous commencerons nos batailles, enfin nos missions de combat, plus simplement. Et nous commencerons notre nouvelle session de missions de combat, dans lequel il y en a 4 à faire. Alors peut-être qu'il y en aura plus, mais en tout cas, pour le moment, il y en a 4 à faire. Donc le banquet des sorciers face à la tempête du désert, épreuve antique, et dans les créatures divines, la chasse au gang des Igas. Donc en espérant qu'on y arrive normalement tranquillement. Donc vraiment, merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 106 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, c'est rien, c'est le chat qui fait des conneries. Ciao tout le monde. Hey, peace.